J'aimerais exprimer toute ma gratitude et tous mes remerciements à Mademoiselle Wilma Istaranza qui a tout fait pour faire aboutir cette œuvre humanitaire à travers tous ces efforts qu'elle a consentis au Canada même, mais également grâce à ses relations avec la Qatar Airways pour obtenir un transport gratuit, mais également le suivi au niveau d'Alger. Je ne sais pas combien de téléphones elle a pu donner, mais également combien de sollicitations donc elle a fait. Donc c'est à travers tous ces efforts-là que je tiens au nom de la Forum et de toutes les personnes qui ont été approchées pour faire aboutir cette œuvre humanitaire, donc à remercier encore une fois Mademoiselle Wydad Istomaza ou Chokra. Une équipe magnifique. C'est là que je réalise l'influence que j'ai. C'est exactement dans ces moments que je réalise l'influence que j'ai. Larry Balek, c'est moi. Je suis fière. Je suis fière d'être algérienne. De quoi fournir plusieurs hôpitaux. Ça, c'est des gants. Tout ça, c'est des masques. Ici, c'est des masques. Fartfouja et Ada. Interrogation surprise. Aïe, Amélie, aïe. Maman Africa. C'est bon, hein? On n'achète pas, c'est bon. Non, mais attendez.
Salam alaikum, Azul, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 décembre 2021. Nous avons reçu il y a 2 jours les 62 colis de médicaments et d'autres produits, notamment des équipements de protection individuelle, qui sont stockés ici. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont impliqués dans cette grande collecte à travers Montréal et d'autres villes du Canada pour arriver à ramasser tous ces produits. Je remercie également personnellement le ministre de la production pharmaceutique qui nous a autorisé à sortir ces produits, la douane nationale qui nous a exonérés, mais également Swissport qui nous a exonérés pour ce qui est de nos magasinages. Et nous remercions toutes les personnes bénévoles qui ont bien voulu nous accompagner pour la réception de ces produits hautement importants pour beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes à travers le pays, surtout dans les zones les plus difficiles. Nous remercions le Dr Khiyati à travers le forum et par le travail, je ne dis pas خرافي ولكن استثنائي ومتطوعي تاع الفورم والاخت وداد اللي كانت اللي قامت بدور كبير وبالاخص الجاليه الجزائريه في كندا. وشكرا. اذا هذا اخر صندوق فور لا ريسبشن.